Bon, vraiment, journal là, en tout cas, se débordé dans mes noms là, mais comme son précision que chauffeur qui a gagné un problème sur ce frontière là, livré font rectification par rapport à intervention Alexander Galvez là. Dans notre 30 secondes ou une minute, dis-nous qui version parle de ça qui passé là, puisque Galvez dit, selon information, c'est agent BLTS au Tecampo et où de tenter aller, et c'est ça qui fait été tiré dans 40 jours. Ok, très bien. Mille merci, directeur Gisèle. Donc, nous parlons rapide. Donc, lui qui est en situation PAT. Normalement, moi, je suis venu. Disons, pendant le map, je suis entré. Moi, je suis entré. Bon, il y a une barrière. Mairie, gagné. Qui gagne comme stop là-dedans. Pour rentrer, le financement, rentrer dans l'immigration. C'est un peu comme arriver dans la barrière de sécurité. Après l'immigration, entre barrière de sécurité avec l'immigration, l'IPAP, 8 mètres. Si l'IPAP, il va même plus. Parce que toute l'immigration, il n'y a pas possibilité pour demain rentrer deuxième nos camions. Parce que tout le monde doit avoir cette sécurité. On a bien été à l'écran, moi, campé. Donc, l'idée, comment faire cher donc, chef campé et puis disons, c'est en face pour venir campé. Moi, disons, commandant, ou campé, donc, moi, je suis dans l'immigration, etc. Donc, moi, campé, donc, je ne vais pas me faire peur, etc. L'idée, c'est bel caoutchouc que je gagne, c'est caoutchouc que je gagne qui fait que je baille. Premier caoutchouc, si je baille deux premiers cartouches, je suis dans le caoutchouc devant. Si je t'ai couru, je ne vais pas faire caoutchouc devant qui prend deux premiers cartouches. Je ne vais pas descendre la machine parce que je vais descendre. Lui, je vais descendre dans le caoutchouc derrière. Lui, je vais mettre deux cartouches. Disons, dans chaque grain caoutchouc derrière eux. C'est l'état. Disons, et puis, l'une dit, mais descend. Descend. Moi, tellement peur parce que finalement, les tirer, moi, avec agressivité qu'elle tirait, dans 44 ou devant, et puis passer derrière elle tirer, en machine de 24 pieds de longueur, moi, j'ai une peur. Donc, quand il y a, moi, j'étais sous machine. Lui, descend, il rentre dans l'autre bord, comme dès l'autre bord, il y a deux reports de la vallée. Il poussait sous l'autre bord. Lorsque moi-même, moi tombé à terre, disons, le frère dit au Liranem, ma yotou moué déchiré, mon chapelet, mon président, mon connaï. Et ça qui est drôle pour moi comme précision, comme chauffeur, j'aime sous votre là, si me cause une infraction, premier bagage, on prend licence moi jusqu'à présent dans la poche moi. Deuxième bagage, si une infraction calomnieuse là, on va arrêter. Ou qu'à juste arrêter. On ne va ni arrêter. Le fini, on y va rien. Il y a les chefs, soit chef lui. Il dit, on va contacter avec, on va dire, ah, ça, on va quitter monsieur à nous faire aller. Il dit qu'on est la quatrième pour mettre la camion. Camion qui est 3 carottes au plat. Si j'aime bien là, on carotte, on camion qui est 3 carottes au plat. Ok, allez. Camion est toujours sous place. Camion est toujours bloqué là où? Camion est toujours sous place. Et ça, ça ne va pas déplacer parce que moi, on a fait avec BLTS. Donc, on va aller tout à l'heure pour que tu fasses bagages et courir. Mm-hmm. Pour tout le monde, ouais, pour la presse, ouais, côté camion, il faut qu'on arrive dans le point de porte de sécurité dans d'accord. La barrière. D'accord. Mais merci un pile, qu'on n'est pas capable de faire un pile temps. Rappelez-nous, non, c'est comment il est? C'est Jean-Ronald Dorsé. D'accord, merci un peu Jean-Ronald Dorsé. Merci pour le signe. D'accord, chauffeur ça qui était dans l'altercation avec agent BLTS. Bonne cour, il est dans Gradas avec Frankel Maginaire. Frankel, bonjour. Bonjour à toute l'équipe là. Salut l'équipe, nous écoutons Radio Orbit FM. C'est FM, la BFM, Terra FM, la prophétie de Beaumont qui facilite on la écoute à travers le département. Merci guerrier. Et Bob C, nous campions dans la troisième section communale Beaumont, Moline, une localité de Lens, avec nous, directeur départemental police Grand-Est là. Monsieur Bertrand Chaljou, qui a fait le jour concernant crime odieux ça. Et d'après déclaration du UTA, que pasteur il est, vers lui faire sur une petite fille qui a l'âge 14 ans, côté qu'il enceinte lui, et même lui-même terrorisé, c'est qu'à déjà, et pour maman, la maman était enceinte lui. Et ils ont considéré l'action incessant, que pasteur il est vers lui faire, et un pour miel, qui finissait sur l'eau, lui veut brûler. Ça qu'il a cru, chef la police à l'Anganas, obligé, à cligner en main pour chercher Pasteur Hilaire vers lui, que Dieu t'a personne ce jour, lancé à vie de recherche derrière, citoyen Fila, qui t'a semblé empêcher à cligner en main, et dès qu'il commet action ça. Et Dieu t'a personne ce jour, fait état tout, et arrestation, et l'air débarcation au derrière, et c'est lui Rodrigue, qui était en possession d'une arme créole avec munitions là-dedans. Donc,
ça, c'est que son petit qui vient avec une dame qu'elle a violée. Donc, violée maman, elle a une petite avec une petite fille, et petite fille ça, t'as vu le cas grand-mère. Après, c'est comme Mathieu, pasteur Hilaire Verly, a cherché Timon Sac à grand-mère, Libénel, dans l'officier, il y a madame, il y a Verly, côté la ville, dans Bélan. Et maman petite là, qui va au Prince, qui a travaillé pour que le gars toujours, vous voyez, elle peut contacter la petite là en mois de mai. Vous voyez, même si je suis à petit, je suis à 10 ans, je suis à et la synthèse, si mon enceinte. Et qu'est-ce qui est enceinte? C'est papa, qui s'est passé, il est vers lui. Et le PM nous déplacer, nous prenons maintenant, nous aller dans un an. Malheureusement, je vais en prendre la fuite. Je dehors, et son aigle n'a cherché à baleine, parce qu'il est, faut que nous joignions. Et nous prenons tout le monde, tout, qui t'a une connaissance, côté passé, il est vers lui. Pour y informer direction du Atlantal Police Grandance dans 38 06 55 55 ou encore 38 04 55 55 parce que ça c'est trop. Monsieur lui violé maman, il vient mon petit aveugle, la chier petite à la cagamelle, après Mathieu, lui violé petite fille qui a 14 ans qui actuellement a porté un petit monde qui enceinte. Dans le cas de dossier FIED de 14 ans, ça, l'initiative départementale contre le trafic de Mounio, IDEP, femme décidée, sauf à Brangandan, souhaiter la justice dans Jérémy à un certain niveau, ramasser caractère dans le traité cause de la yo, qui est plus faible à plus de professionnalisme, de sens, âme et confiance, pour que les victimes et qui paguent un gros moyen d'argent, à côté social politique capable de bénéficier de l'équilibre balance la justice et qui t'a doué de poids et de mesure. Merci Guerrier, à la prochaine. Merci un peu, Frankel, imaginaire de pasteur, il est son pasteur bien problème dans la tête, hein, ou bien c'est Jérémy, si, ouais, ça y est. Tout allez, avec Anel Joseph. Anel, bonjour. Bonjour Guerrier, population qui va lever jouer un cas où tu as brûlé dans plusieurs coins dans la commune, bien bon le matin, hein. Sorti depuis Bonne Soldat, passé dans le centre de la justice, deuxième plaine. D'après une source policière, c'est agent policier eux-mêmes qui commence à ramasser caoutchouc depuis bien bon matin, qui pique le papier et déjà dans plusieurs coins. Information bien assemblée, c'est partisan à PHTK avec Allier qui est un collègue qui voulait passer à l'action pour exprimer frustration. Donc, pendant le déplorer, le fait qu'après toute péripétie passée, toute bagarre est traité dans le pouvoir, c'est avec adversaire, alors que les militaires ont lagué, n'ont laissé pour content sous béton. Il y a un autre côté, en plus de directeur, qui est dans le programme Subo, dénoncé mauvais traitement à Sibi, pour que le gouvernement refuse de respecter l'engagement de l'État devant l'école du ministre Félicien Fusner, qui est directeur de l'école dans la 3e section, nous sommes dans Grand-Bois, avec Moline Jean-Gastel, toujours un directeur dans Grand-Bois, déjà fait environ 24 voyages dans le ministère. Malgré l'espoir, jusqu'au niveau là, il n'y a pas recevoir un goud. C'est avec étonnement, directeur, ça y a fait quoi, il recevoir appel inconnu, cap m'a dit, on ferait 50% pour être capable de jouer une corps blanc. Monsieur Frédéric Fusnel, avec Moline Jean-Gastel, m'a dit, président Jovenel Moïse, prend dossier directeur l'école en considération. N'attendez rien après l'autre, Frédéric Fusnel, avec Moline Jean-Gastel, qui s'est dit directeur l'école, n'a bien voir. Donc, moi, c'est directeur l'école, moi, c'est 21 voyages, au Brest-Land, du Pétionville, rue Grégoire. Numéro 98, la carte l'école Sugour. Donc bon, après que je fais 21 voyages, donc on était comme ça à ma 17 octobre dans la soirée, il y a un numéro qui est sur appel privé. Je me demande ce qui est, il parle de non, il dit son chef Sugour. Je me constate que je vais jouer une cobla, mais il faut que je balise 50% dans l'argent. Je dis, moi, c'est impossible. Il dit, oui, 24 voyages, donc comment l'école des grands est depuis. Des grands voyages, ok. Je fais, à chaque fois, je fais Port-au-Prince. Je dis l'argent, dans le finance, tout le bagage, ok. De l'autre côté, autorité dans les organes, t'as le couru, l'école nationale réjouie, qui trouvait dans la 7e section parmi sa 20 localité, Boudachita, l'école ça qui était écrasée depuis en bas cyclone Mathieu, pas de jambes, bien rien qui fait. L'école là, qui presque pas fonctionné à cause pas d'espace pour Timon Yoshita. Magistrat Moncler Desi, avec député Jean-Luçon Nibolite, facilité paysage Gontol. Bois et puis bon gens bon pour l'école en fonctionner. La brave, ça fait trois l'école, il y a couru après Petit Japon, Kouadepe avec Boudachita. Toute l'école ça c'est Cyclone Mathieu qui est écrasé. Joseph Anel, Caraïbes. Merci un pile, Joseph Anel, direction Jacques Mel, Sud-Est. Émile Orveillus, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Titi, Sac Auditeur Caraïbio. Information matin, yon formation capturée 11 journées.
démarré dans ville Jacmel, département sud-est pays, en faveur tout cadre comptable et financier 10 mairies dans la région ça, lundi 6 novembre 2017 là. Il y a une initiative ministère de l'Intérieur, collectivité territoriale, ministère économie et finance et puis office management, ressources humaines. C'est directeur général ministère, Fetnel Monchéri, qui fait le lancement officiel là. Formation qui pourra le permettre de mairie 10 communes de battement bien administrer sous plan financier et puis faciliter magistrat et rejoindre des charges d'après Fetnel Monchéri qui fait qu'on est à partir fin mois décembre 2017 là, toute entité qui sous contrôle ministère pour aller gagner matériel pendant y a travail pour normaliser pouvoir local là et puis mettre des bureaux disponibles pour toute cartelle AZEC, acte AZEC à travers section communale. Directeur général ministère intérieur à collectivité territoriale là, Fetnel Monchéri, de l'autre côté, mandé tout le monde qui a douté sur ensemble action, gouvernement à bail population, ils ont chance parce que d'après lui, gouvernement Moïse Lafontaine travaille pour satisfaire la population 10 communes, 10 départements pays, surtout à travers caravane changement Cap-Vie national à partir de janvier 2018. Selon Fetnel Monchéri qui minimise mouvement qu'a fait commandé par chef l'État. Fetnel Monchéri déclaré n'a cité tout le monde qui besoin chez Bouéa doit aller dans l'élection. L'autre information, il y a un greffier avec ICO dans la juridiction Jacques Bell qui a annoncé qu'il a reprendre le travail le 19 novembre 2017 là. Après une attente qui joint à toi un tribunal premier instant Jacques Bell, là, M. Carlo Gilmi, lundi 6 novembre 2017 là. Alexandre Jean-Aubert, porte-parole, greffier Silesio, a désiré Yves Molvet pour ICO déclarer confiance à Vini après. Alors, conscience à Vini après. Il a constaté 496 prisonniers parmi les 18 femmes à couper dans la prison civile Jacques Mella. Toutefois, fait qu'on est prêt ça à bout le 1er décembre 2017 en attendant l'autorité de prendre la décision en faveur. Cependant, greffier à Kissio dans Jacques Mella reproché responsable association ici à Kissio dans la capitale là, qui d'après eux a travaillé pour boycotter le mouvement revendication à Jacques Mella et Lilo Veus, Caraïbes FM. Mais sans pile, Lila Veus, c'est nous vraiment pas guettant. Matin, mais bonne cour, il Saint-Marc avec France Augustin. France, bonjour. Bonjour, guerrier, bonjour tout le monde. C'est ma fille, c'est un côté devant le de carbone de paquet, jeune courrier qui nous cherche un syndicat d'identification nationale. Suivant, service, il y a besoin d'un pays. Il y a l'autre qui plaignait d'être qu'il y a toute formalité pour te refaire 4 identifications nationales. Moi, à nous passer, nous pas jeune qu'à jouer. Mais nouvellement, 4 identifications nationales, là, on veut faire une responsabilité pour être participé dans les événements citoyens qui ont pu chercher ou qui ont pu nous faire 4 identifications nationales. Tout le monde s'en est, pardon, c'est pas qu'être, ils ont beau. Merci un pile, France Augustin qui t'a performé depuis Saint-Marc, à faute de temps, enfin, nous ne pouvons pas arriver dans tout département, puisque l'invité, Wilfried de Gelin, sénateur de la République, était déjà là, nous avons rendez-vous à Cli, donc il a passé, nous obligés, pas arriver qu'à Paysien, Fort Liberté et Port de Paix, donc demain, nous retrouver, nous pour aller directement avec l'invité, non. Sénateur, bonjour, bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour, guerrier, m'a profité l'occasion pour me saluer et m'a salué Pierre et Renel René et Florence Lisley, Boss Madichon qui est sous table là, et m'a salué tout le monde qui est dans la diaspora, m'a salué département du centre en particulier, les 13 communes du département du centre, et puis m'a salué ambassadeur AI Carl et au Chili et toute population haïtienne qui est au Chili. Oui, comme nous t'es centré, en tout cas, invitation sous question au Chili, en côté où t'es passé plusieurs jours, et on allait, dis-nous, qui ça qui t'est poussé au fait visite ça et qui constat au fait? Bon, et pratiquement, et guerrier, c'est que nous allé Chili pour que nous t'es capable de garder et qui gens et
et population noire haïtienne a évolué en dans Chili. Mm-hmm. Et ça t'est venu attirer attention nous parce qu'on connaît que après la Tibonite, département du centre, c'est deuxième département qui a plus de monde qui voyage qu'à Chili. Désolé, est-ce que c'est ton visite comme c'est la tête de la République, on visite l'Acadie officielle ou du moins c'était ou comme citoyen qui était décidé à aller? Non, c'est ton visite officielle, c'est ton visite comme sénateur de la République, okay. Donc on t'a regardé. Donc, mais forme du tout comme je dis déjà c'est que le département du centre ça devait intéresser nous en pile parce que le département du centre c'est le deuxième département c'est le département qui est un deuxième qui est plus mon Chili. Okay. Donc c'est dans Kadza qui fait notre faire voyage là. Oui, et l'arrivée on fait qui ça comme constat? Bon, l'arrivée constat c'est que il y a différents problèmes et n'a demandé tout que collègues nous n'a demandé gouvernement pays noir pour que yo capable de voyager et plus sous situation ça et dans relation entre Haïti et le Chili. Parce que le problème que nous constatons c'est que gagner et moun yo allé sur yon et 80 y allé comme touriste et avec et yo gagné à peu près 90 jours après 90 jours là yo illégal. Okay. Yo vin illégal et tout citoyen haïtien qui a Chili là yo gagné 90 jours pour ta passer sous territoire comme touriste. Ouais, il y a 90 jours capable de rester sur le territoire là comme tout. Ça explique pour quelle raison que Léo peut aller, il faut qu'il aille avec un billet à le retour. Okay. Donc, pour justifier qu'il a retourné. Mm-hmm. Mais après 90 jours là, il est totalement illégal, ni eux-mêmes, ni Timoun qui ensemble avec eux viennent illégal. Mm-hmm. Donc, nous pensons que... Non, mais et comment ils ont légalisé ou comment? Parce qu'ils ont été quand même sur le territoire. Oui, ils ont été quand même sur le territoire parce que l'Axis et gouvernement chilien, ils ont été, mais nous-mêmes, qui ça n'a dit, il faut que le gouvernement panouan rentre dans une sorte de négociation avec le gouvernement chilien pour que moun sa yo capable joindre document priorité après 90 jours là et pour qu'a joindre travail. Mm-hmm. Parce que ça qui vient de guerrier, c'est que 90 jours là passé, yo joindre travail sous 91e jour là et puis yo gon amende pour yo payer. Mm-hmm. Yo gon amende pour yo payer. Et amende non parce que je ne travaille là ou... Non, amende non parce que vous violez la loi de l'immigration, il aurait été sur ce territoire là. Il aurait été un jour de plus. Mm-hmm. Mais il n'a pas fait aucun rien tout pour dire que vous voulez retourner, etc. Il a seulement arrêté sur ce territoire là. Mm-hmm. Mais illégal. Donc amende ça avait une payé comme moi dis 80 sous 4 et si je ne travaille il était mettre sur 91e jour là donc il est obligé de payer. On va vous aider amende là combien de amende là il varie et si me pas trompé entre 250 et 300,000 pesos. Faut mettre dans tête tout qu'on besoin 625 pesos pour 40 dollars américains. 40 dollars américains. Ouais. 250,000 pesos, bon, à peu près 400 dollars américains. Ok. Mais si vous n'avez pas gagné, pour me le faire, je travaille, un petit temps pour le payer, ou? Non, oui, yo fait accommodation ensemble avec lui, lui, il doit, pour là, le travail, et pendant le travail, là, la paye, le pas mousseau. Non, mais là, où soulevons le problème que peut-être moi, je pas au courant, et peut-être un peu le monde pas au courant. Mm-hmm. Question que après 90 jours que citoyen illégal et couillant n'importe qui l'a, ça t'a arrivé que le service immigration m'a dit pour retourner. Exactement. Mm-hmm. Et après 90 jours illégal, pour venir joindre une sorte de légalité, il faut que les joignent au travail. Mm-hmm. Et s'il joint au travail, ils ont contrat de travail. À partir du contrat ça, mm-hmm. les capacités pour un an. Mm-hmm. Et si leur contrat vient renouveler, donc les 5 ans. Mm-hmm. Et c'est processus. Mm-hmm. Et immigration pour qu'arrêter continuer d'être en Afrique. Et comme sénateur de la République qui t'est visité et qui fait constat, comment on peut aider, agir sur les qui comment ça bon fait? Nous-mêmes nous dit premier bagage que nous constatons et nous avons fait une recommandation, c'est que nous avons une ambassade noire au Chili qui est guerrier comme c'est non on boîte
C'est une ambassade qui était là parce qu'en 2014, où tu as à peu près 1000 Haïtiens qui étaient Chili. Dans Jodia, la population grandit par à peu près 85 000. Donc, l'ambassade là, dépassée par les événements, et yo, même les personnels là, mais yo pas d'espace là. Yo te kon recevoir à peu près 20 Haïtiens. Dans une semaine, je dis à recevoir à peu près 200 à 300 par jour ou parfois. Donc, on pense que il faut que nous, pour imaginer, faut que nous déplacer l'ambassade là, pour qu'on gagne on l'autre côté pour fonctionner. Et puis, et penser tout, il faut que nous t'avions un satellite et dans le nord du Chili et dans le sud pour que les Haïtiens soient capables de jouer un service qu'ils ont mérité de la part du gouvernement. Donc, ça. Vous voulez visiter l'ambassade là, en tout cas, côté. Oui. Nous visitons l'ambassade là, nous avons des photos, tout bas, etc., qui montrent quantité de monde qui côté, il y en a toute la rue, etc. Est-ce donc, que vous expliquez autour qui, et ça, vous joignez comme doléance, bon côté haïtien, qui ça, vous connaissez, est-ce que vous. On va parler au niveau de l'ambassade là. Oui, est-ce que vous joignez des plaintes, qui sont à qui ça, par exemple? Bon, oui, vous joignez des plaintes. Et moi-même, tu as porté un paquet de plaintes. Et sous question, on est plus fort là aller, on a un mandat, soit pour membre famille, ou venir avec un monde pour eux, etc. Passeport, tout service que vous offrez. Donc, service anti-genre là par rapport, comme je dis, que pas gagné. Et on espace qui capable de permettre de fonctionner. Mais pendant ce temps tout, n'a pas gardé guerrier, c'est que en dans population haïtienne dans qui l'autre bois, nous à peu près 70 à 75% là-dedans au pas de travail. Qu'est-ce qu'on parle? Les Haïtiens qui immigrent au l'autre bois. À peu près 70 à 75%. Pas travail. D'après, sur chaque 100 monde que nous parlons, près de 70 à 72% pas travail. Et comment ils vivent? Et bon, ils vivent dépend de l'autre Haïtien que vous cherchez. Et nous gagnons un grand pourcentage qui pas des côtés priorité. Pratiquement qui cap dormi dans la rue. Ah bon? Donc situation économique là extrêmement. Non, est-ce que son constat qu'on fait par exemple au marché où est des monde des haïtiens qui dans la rue par exemple? Oui, définitive. Et nous étions ensemble avec une autre station sœur qui était fait un programme au Chili. Donc c'est un constat que nous fait gagner n'a parlé de moment vérité et Signal FM qui était présent ensemble avec nous. Au Chili. Mais, et guerrier, problème là, son problème pratiquement économique que lié. Et, Mounio gagné, lui coûtait à peu près 30 à 35 000 dollars haïtiens pour moun aller Chili. Et, gagné un pile moun qui arrivait, il était gagné terre ou pas bon ici, c'est terre ou vendre, ou bien c'est terre là, il font bas quelconque pour situation économique. Et puis là, il arrivait, yo même pour qu'on parle elle travaille dans l'agriculture, elle travaille dans le jardin. Donc hein, oui, elle travaille dans champ. Dans champ, oui. Parce que ici peut-être qu'il va faire, il va faire. Je pensais que sous était à là, on doit faire la caillou au lieu que t'as le faire de l'autre côté. Mais quand même, nous-mêmes dans le pays d'Haïti, et l'aime dit nous-mêmes, non, population en général et gouvernement, faut que nous prenions une série de dispositions pour nous, qui gens, nous qu'à créer plus d'opportunités en dans le pays à pour jeunes, nous, qui a quitté le pays à, qui pourraient voyager en masse. Donc, qui pourraient le Chili. Donc, je pense que l'opportunité, ça, faut que nous travaillions sur eux pour jeunes, nous, capables d'échanger. Comme c'est dans la République, vous pensez au rôle qu'a joué dans ça? Oui, je pense que maman de tout collègue, moi, en dans le Sénat,
et législature en général pour nous paraître avec une sorte de proposition quelconque pour que nous parler ensemble avec exécutif là pour nous voir qui gens de situation nous qu'a mettre sous pied pour nous qu'embêter. Comment dire ça dans mon nous te recevoir dernièrement un professionnel, c'est président syndicat national de formation professionnelle, monsieur Léveillé, professeur, qui t'avait expliqué nous que gagnait en Haïti environ 90 entreprises de production qui fermaient. Hein, il prend plusieurs exemples, les palènes de Raymond Flambert qui déconne fait clou, Asco, usine Darbonne qui déconne fait comment sucre, donc qui presque pas fonctionnel. Et est-ce qu'on message qu'on sort capotel par exemple à le joindre exécutif là? Oui, qui fait Bokit, par contre on équipe de Boyo, mon déconne fait ici, mais qu'on y a qui ferme entreprise ça yo. Donc est-ce qu'on message qu'on sort capotel rivé plus loin par président Jovenel Moïse, premier ministre là pour pouvoir commenter, est-ce qu'on agit sur depuis c'est un message qui vient pour louer avec développement économique, qui vient pour louer avec développement pays économiquement. Nous supposons pour-t-il aller par plus haute instance et particulièrement président de la République là. Mais l'on parle de une industrie qui t'a fait clou, qui t'a fait bouillot, etc. Et on connaît une série de industries qui viennent caduques à travers conjoncture économique. Et je dis à n'a pas gardé pays non comme un pays clou par exemple nous achetons un domaine non d'accord avant mais on nous parler de bouillot c'est pas un bagage qui fait un paquet de quantité pour rendre et pour rendre profitable avec monde qui produit parce que économiquement peut-être les vignes gagnent au manque à gagner. Moi dis simplement parce que développement économique souvent et surtout en termes de manufacture et d'industrie souvent y a grand temps. Nous devons regarder jeudi à où est-ce cellulaire téléphone ou non mon mais avant le départ c'était un gros téléphone où t'es non mon dans l'arrière. Donc genre de situation ça yo important pour nous garder yo et pour nous voir qui route pour pays à faire en termes de production économique mais li également important pour nous garder bien pour nous développer une série de non seulement industrie agriculture etc pour nous capable jeunes yo en dans pays à pour nous qui est bien brignon dans le pays pour le développement. Et par exemple, dans la même déclaration, ça, et M. Lévé était prend exemple, plaque machine, hein, qui a fait en dehors de pays, hein, alors que longtemps était qu'on fait en Haïti. Et est-ce que là, c'est pas comme on dit ça, au côté que nous avons allé, l'État a allé pour permettre que ça fait en Haïti, si c'est appareil pour acheter, pour faire en Haïti, qui a évité que nous voyons plusieurs millions de dollars aller à l'étranger à le faire plaque machine. Totalement d'accord. Depuis c'est une industrie qui pour imposer fuite de capital, qui capital dans le pays pour créer job et les supposés faits. Mais qui ça fait? Qui ça empêche l'autorité? Comme si ça ne va passer dans l'idée dans la tête ou bien. Hein? Il n'y a pas où elle, il n'y a pas. Brass. Non, m'pa pense c'est ouais ou pas ouais ni c'est Brass. M'pa pense c'est ouais ou pas ouais ni c'est Brass. Problème qui arrive à c'est que l'on économie libérale ou acheter situation côté li côté plus bon marché a. Parfois ou même soit produit la plus cher. Parfois ou même soit produit la plus cher, donc dans l'économie, effectivement, côté que vous marchez, c'est là qu'on achète elle. Parce que si vous produisez le même plus cher, qui est avantage qu'on gagne, on va gagner quoi avantage. Donc on achète. Ça peut être on va être global, mais pas gagner qui dit c'est qu'on s'allie. Hein? Parce que même pour exemple là avec le président Jovenel qui dit qu'il y a gagné équipement pour faire asphalte, donc on décide. Et équipement là, il faut acheter toujours, là, il produit lui-même. Donc, qui ça qui empêchait que nous faire plaque machine, nous? Nous acheter équipement pour faire plaque machine, nous? Ouais, guerrier, économiquement, chaque situation, ça est obligé à approcher au cas par cas. Nous pas qu'à comparer pommes à oranges. Okay. Et où faut qu'on garde des pommes, ou garde des oranges. En termes de plaque, m'pas gagner aucune information sur lui, mais en termes de plaque, peut-être, fait là, les cas plus cher, que si, par exemple, vous baillez fait le dur. Et non seulement à cause de, investissement
ou t'es qu'à obligé vin mettre pour acheter tout appareil yo. Okay. Donc rapidement fait le dehors à côté puis bon marché. Là kounya sous question président Jovenel sous question asphalte là et si me comprenne bien c'est que investissement ça à lui-même lui aider à diminuer prix en kilomètre de route. L'idée a diminué pour un kilomètre de route que souvent on dit qu'il était coûté 1 500 000 $, mais je dis à route l'a coûté 400 à 500 000 $. Donc c'est qui ça on entend. Donc c'est ça qui fait pas qu'à élaborer sous lit à moins que nous ayons une série de dossiers qui devant qui me qu'à comparer parce que chaque c'est un bagage différent. Monsieur le sénateur, combien on coûte pays à vous? Moi-même. Bon, bah qu'on est non. Bah qu'on est ça, ou c'est pas fait, pas fait calcul. C'est, moi pas fait, calcul ça. OK. Et est-ce que c'est un peu de la juste ou juste touché? Oui, juste touché. Okay. Mais comment vous débiez avant moi? On va faire calcul ça de bon. Merci, je vais. Et en aller, est-ce que vous avez un rapport ou un document qui est préparé, qu'on va le présenter à collègue? Oui, nous avons un rapport et nous avons un document que nous allons présenter avec collègue Nouyo et dans la commission, non seulement dans la commission affaires étrangères là, mais aussi pour qu'il devant l'Assemblée là, et que chaque sénateur a gagné un là-dedans pour dire exactement mais qui Jean Noël, mais qui Jean Noël. Mais définitivement. Qui ça, par exemple, à part de situation ça, on songe dernièrement dans un article nouvelliste. Oui, on a regardé dans un article nouvelliste côté que yo montre soit Chili vini deuxième pays, désolé si je me trompe par rapport à qui voyait qui voyait plus quoi en Haïti. Donc moun sa aussi tout à l'heure parlait de 70% de monde qui allait pas travailler côté l'agence ça sorti pour arriver à Haïti. Bon, on pose une très belle question. Mais songez, Léon Mounabantré au Chili, ou gagné, fougon à peu près $1,000 américains en poche ou comme un touriste. Souvent, $1,000 américains, ça a que moun n'a gagné en poche. Là, elle arrive, il faut le voir le tourner. Parce que c'est prêté, le prêté. Il voit le tourner. Donc, nous voyons tourner, tout comme ça, au Capri, vous voyez tourner, donc, les vignes paraissent, comme si nous avons dit que Chili, c'est deuxième pays, qui voyait plus comme tourner en Haïti. Il y a des gens qui étaient prêtés qui voyaient comme tourner. Et, situation a montré que, nous n'avons pas de travail là, au Chili, après le film Louis Caille, tout bagage ça, etc., les paquets, paquet de com qui étaient dans même, pour le voir tourner. Et comme ça. Mais guerriers, si vous regardez, c'est que jodia pays a nous gagnons un problème. Et problème que n'a déterminé a, problème que n'a parlé a, c'est que tout côté, non seulement Chili, mais nous gagnons République Dominicaine, nous gagnons et situation et États-Unis en tout sous question TPS là. Donc tout là, il y a un problème et côté haïtien. On vient de prendre 2 minutes non sur TPS là et sur République Dominicaine là. Oui, vous devez dire qui ça? Oui. Et ça me veut dire c'est que et sous situation TPS là, nous est que et administration qui l'a connu à taré mais fini avec programme non et nous ouais que vous faites paraître côté que vous font détermination sous et Simba Trompim c'est sous et Nicaragua et côté que vous fini programme Nicaragua mais quand même vous baillez à peu près 12 mois avant même que ça a rentré et pas gagné détermination jusqu'à présent sur Honduras. Donc si nous regardons le bien et que je pense que administration américaine non est à supposer bah une décision sur nous-mêmes sur Haïti en dedans et moi ça donc si n'a regardé décision que yo prend connia pense que yo ca renouveler situation haïtienne peut-être pour l'autre 6 mois encore avant que yo vienne dans détermination m'a regardé sur situation Nicaragua peut-être c'est dans même sens là et pas Nicaragua je m'excuse et Honduras c'est
pas dans le même sens là. Oui, il y a eu 6 mois. Mais il n'y a pas grande détermination que le fini. Il y a eu extension de 6 mois. Donc, on pense que nous sommes capables de une extension de 6 mois tout avant que il vienne avec une décision normale. Sous la République dominicaine, là, on dit que ça. Oui, sous la République dominicaine, on a dit que diaspora. Et en la République dominicaine, on a regardé qui gens que tu as une période en pile haïtien dès qu'on allait en République dominicaine, tu as un zafra souvelé qui t'a mené haïtien à aller. Donc, Kounia, ou joigne la République dominicaine a pu voir mon tourner. Voilà. Donc, nous-mêmes, n'a dit, est-ce que phénomène ça, pas pour le répéter tête-li, au Chili tout, parce que si Haïti est en première destination, qui sait jusqu'à qui côté, que, économie syrienne n'a pas capable de quimber pour le prendre plus d'immigrants. Donc, c'est là, nous. Voilà. Merci en pile, sénateur Wilfried Jolin. On est content de gagner au matin dans l'espace Libre Opinion. M'abdou merci Guerrier, et Guerrier Gisèle, m'abdou merci avec tout panel ici, et merci avec le département du centre qui est attendu de nous, à tout pays, et pourquoi pas le monde. Merci bien, c'est ton plaisir. Auditeur ça qui dit, oui, si la question ça t'a fait, plaque machinale, t'as créé emploi. Bon, peut-être, et ça, son expert, nous t'a choisi, parce que c'était une position, sénateur comme Alouel, hein, mais, puisque pas qu'il y a vraiment une analyse qui fait sur ça, on a cherché des économistes. Et Zéro Bill, hein, on a un tendo sur ça. Adler, bonjour. À moi la guerre, à moi la et tout le monde qui a écouté radio, on a quatre coins cadino la terre, si là, on a écouté nous, on a quatre coins cadino pays d'Haïti, à moi la à Bobo. Sauti 15 pour arriver 17 décembre, cap poché la, puis gros rendez-vous livre pour finissement ADA, c'est 5e édition, FILA, Foire internationale du livre, cap fait dans le palais municipal. Pas j'oublie ça. Anessa, c'est, alors, Anessa, DNL choisi, Lionel Trouillot, aucun chien écrivain haïtien, comme invité d'honneur, et manifestation ça, avec pays Guadeloupe, comme invité d'honneur. L'autre point, excusez-moi, mon petit groupe, capon va y m'la. Ailleurs, non, Institut français, responsable festival Cachemio, dévoilé programmation, rien, devant la presse, y ont programmation qui gagne la donne environ 70 activités, cap gagne, représentation théâtrale, conférence, atelier, performance et latrier, pendant 12 jours, théâtre blaï sous Port-au-Prince. Thème festival là, c'est enfance sans maltraitance, fou disait, c'est invité d'honneur, ce type 20 novembre pour arriver dès décembre, théâtre tout partout dans Port-au-Prince. L'autre point toujours dans la page à Kiltre le matin, 24e livre écrivain, ministre Pierre-Josué à Génor Cadet, paraît dans l'édition C3. Histoire et vérité, réflexion sur quelques tranches du passé d'Haïti. C3 édition avec Saint-Kiltre le Charles Moravia dans Jacques Pell a fait lancement livre Silla, non Jacques Pell. Dans le week-end, sauté 10 pour arriver, 11 novembre 2017, cap proche là, côté, à Brière, 20 signatis, causerie, ak, et spectacle. Dans vendredi 10, Pierre-Josué, à Génor Cadet, l'a fait une conférence avec 20 signatis, dans le centre Alcibiade Pomerac, sauté désert pour arriver, 5h en après-midi. Et puis, dans samedi 11 novembre, à partir de 9h, le matin, pour arriver midi, Pierre-Josué Agenor Cadet, là, dans le lycée Pinchina, pour faire 21 livres LIA, et puis, là, font conférence tout, pour élèves. Et puis, dans samedi soir, à bien, il y a une soirée musique et poésie, dans le centre culturel de Charles Moravia, en collaboration avec Jeudi Poésie, et Foukimage, production et édition pour nous. Yann Jacquemel, invité tout le monde dans la soirée ici là, qui a fait un centre culturel, Charles Moravia, côté Pierre-Josué, à Génor Cadet, et même la présente pour le dire en pile pour M. Ligien, dans Djakoutli. L'autre point, on va nous bailler bien vite, n'a pas rappelé, passage avec phrase ambulante dans tête collée avec Combit Bibliothèque Cité Soleil, a présenté dans le lycée national Cité Soleil là, ils ont activité qui est liée le bar. Mais son le bar est spécial qui est lié culture du livre qu'a fait en baptême, le livre et moi, du lecteur à l'écrivain, c'est vendredi 10 novembre, qu'a poché là, le bar ça, la fête dans le lycée national. National Cité Soleil, là, c'est Daniel Suplice qui prend la parole dans l'occasion. Cité Soleil, matin, nous saluons
toutes amis, camarades, qui ont écouté nous dans Cité Soleil, toutes lecteurs, toutes lectrices, toutes grand monde, couti monde, toute base net dans Cité Soleil, à moi là. Et puis, nous prenons le livre, non, nouveau livre, Franck Etienne, qui est l'Apocalypse, et puis le rien. Livre ça, n'a pli, dans page 74. Poème ça, n'a pli, bout de texte ça, n'a pli, n'a voué li. Pour tout le monde qui a écouté nous dans la Guyane française, pour Florence qui est dans le studio avec nous là, collaboratrice immédiate, nous, nous voué texte ça pour vous, Florence, l'Apocalypse, et puis le rien. Nous voulons tout pour mon Guyane française, Tata, avec Yves-André Rambo, et qui écoute nous à travers Radio Mosaïque. Texte à partir comme ça. La terre contaminée, désaxée, déboussolée, va s'effondrer bientôt dans la ferraillerie infecte d'un système disloqué, pourriture et vice, encombrement gigantesque de zagribailles monstrueuses. Irrésistible feu destructeur, flamme vorace, noyant le corps et l'âme, nuages toxiques, asphyxiant les villes, calcinant les paysages et pétrifiant les viscères. Jacques Adler, Jean-Pierre, journal, première occasion, Kaba, toute équipe, là, t'es content, coup, Florence, Lisney, Pierre-Renel, René, Grégory, Lubin, Guerrier Dieu seul, pour te présenter aux principales informations, yo, avant de faire place.